Je pense que la francophonie regroupe un certain nombre de pays, 84 pays et gouvernements, à l'Organisation internationale de la francophonie. Chacun de ces pays ont eu intérêt à adhérer à cette organisation internationale qui organise la francophonie au niveau mondial. Et je pense que là, il faudrait absolument mieux faire comprendre l'enjeu et la démarche. L'enjeu, c'est qu'on construit un ensemble géolinguistique considérable, c'est-à-dire qui a pied sur les 5 continents, considérable aussi sur le plan économique, puisque la francophonie représente à peu près 15% du PIB mondial. Ce qui le montre, c'est qu'un certain nombre de pays, notamment la Corée par exemple, vient d'adhérer en tant que membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie, ce qui veut dire que là, il y a beaucoup d'enjeux. Et l'idée centrale, c'est de considérer la francophonie comme un nouvel humanisme, comme une organisation au niveau international qui met en commun une même langue, qui est le français, sans oublier les autres langues partenaires de la francophonie. Regardez, le coréen serait une langue partenaire de la francophonie maintenant. On pense plus rapidement, plus spontanément aux langues de l'Afrique, qui sont des langues de la francophonie. Je crois que là, il y a beaucoup de travail à faire, d'échanges entre ces différents pays. Et donc, la francophonie comme force politique, comme force économique et comme force morale, dans la mesure où c'est vrai que cet humanisme, c'est quoi sur le terrain ? Ben, c'est le fait qu'on promeut la démocratie, qu'on essaye de faire en sorte que dans un certain nombre de cas ou de pays, les élections soient correctement menées. Et donc là, il y a véritablement une force nouvelle qui se met en place, qui rompt avec l'histoire en quelque sorte. L'histoire est toujours là, c'est toujours notre présent, l'histoire, mais qui rompt avec l'histoire et qui nous permet d'envisager les choses différemment maintenant. L'idée de constituer la francophonie comme une organisation mondiale, puisqu'elle est mondiale, elle regroupe 84 pays, fait qu'on a avec elle un bassin géolinguistique immense sur les 5 continents qui permet de penser à la francophonie comme une force politique, puisque la francophonie est présente dans les institutions internationales, évidemment. Le français est souvent une des langues officielles de ces organisations internationales, donc là aussi il y a une puissance en tant que statut de la langue. Et puis aussi considérer la francophonie comme une force politique, dans la mesure où elle est porteuse, je dirais, d'un idéal. Alors d'un idéal qui demande à être construit en permanence. L'idéal, pour moi, c'est l'idéal de la démocratie, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde périlleux, un monde difficile et dangereux, instable surtout, on puisse faire de la francophonie une troisième force entre les États-Unis, la Russie, l'Asie, une troisième force qui serait porteuse justement de cet idéal, de cet humanisme moderne, de cet idéal de démocratie, de cet idéal moral en quelque sorte dans les négociations internationales. Et j'étais très surpris, derrière tout cela, il y a une demande de paix. J'étais il y a peu de temps en Asie sur ces questions, j'étais surpris que beaucoup de pays dans lesquels j'étais me parlaient de la paix. On a eu tendance en Europe depuis plus de 50 ans à se dire l'Europe c'est la paix, et on n'a pas parfois vu ou aperçu ce qui se passait dans les nouveaux concerts internationaux. Et donc là, il faut véritablement que la francophonie constitue une force de paix au niveau international. C'est comme ça que la francophonie sera un idéal pour nos jeunes. Je vois que nos jeunes sont souvent un peu sceptiques sur cette question de francophonie. Au contraire, c'est une identité ouverte sur le monde. Ouverte sur les autres continents, la France et la France bien sûr, mais ouverte sur les continents, sur les autres continents, sur l'étranger, sur le réfugié qui nous rejoint.
Et je pense que cette identité ouverte, cette idée d'identité ouverte serait d'un grand, grand poids dans la vision que nos jeunes de France, d'Europe et des autres sociétés pourraient se faire, pourront se faire de la francophonie.